Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, vous qui nous écoutez ce matin, où que vous soyez, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous a permis de partager avec vous ce matin ce message. Nous sommes confrontés à une situation dans le monde entier que vous soyez chrétien ou non, athée ou païen, animiste ou non croyant. Cette situation qui ne fait de distinction entre personnes. Et nous nous posons des questions. Je ne suis pas prophète. Et je ne prétends pas être un visionnaire. Je ne veux donc pas juger de cette situation que nous vivons. Et dire que c'est la main du diable. Ou dire que c'est la main de Dieu. Mais je sais que nous nous posons beaucoup de questions. Et moi, je préfère que nous réfléchissions ensemble à ces questions que nous nous posons. Pourquoi cette situation arrive-t-elle? Dieu s'intéresse-t-il à la gestion de nos nations? S'implique-t-il dans la gestion de nos nations? Bien-aimé, je voudrais répondre à l'une de ces questions en vous disant que Dieu nous a fait la grâce il y a 16 ans de cela de nous poser une telle question. Dieu nous a accordé la grâce depuis 1994 d'organiser un rassemblement des enfants de Dieu dans notre pays que nous avons dénommé la COPAGEF, JIF PACO en anglais. À la 5e édition de cette conférence qui rassemble des enfants de Dieu venus de partout le monde. À la 5e édition en 2004, le thème de cette conférence était, comme vous le voyez sur ce pamphlet, l'importance de l'Église dans la gestion et le développement de nos nations. Nous avons la version anglaise. Et à cette conférence en 2004, le thème central, c'était Dieu s'intéresse-t-il à la gestion de nos vies, à la gestion de nos nations? Et l'éditorial de cette conférence a parlé en long en large un peu de ce qui nous arrive. Dieu s'intéresse-t-il à la gestion de nos vies, à ce que nous faisons de nos vies et ce que nous faisons de nos nations?
Mawo de mi kono kun gbeza mi ton gbon de mi kono kun to mi ton legbon mawo kono babana donu de mea. Et nous avions dit dans l'éditorial qui est à votre portée, que vous avez peut-être chez vous pour ceux qui ont assisté à cette conférence, aussi bien en français qu'en anglais. Dans l'éditorial de cette conférence, de cette édition-là, nous disions que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous étions en 2004. Dieu s'intéresse-t-il à la gestion de nos nations? À cette conférence en cette année-là, nous avons ouvert cette conférence, cette édition-là, à nos autorités nationales. Nous avons impliqué les ministères. Le ministère de la Santé et l'Éducation et plusieurs autres qui ont mis des compétences pour diriger des séminaires, des ateliers. Bon, nous tout on est là et on a aidé à pour amener mon plan et aider d'autres pour montrer que Dieu s'intéresse à la manière dont nous gérons nos nations. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bien-aimé, nous sommes en 2020 aujourd'hui. Ça fait 16 ans de cela que nous avions attiré l'attention de nos autorités et de l'Église elle-même. Et je m'évertuerai simplement à lire une partie de l'éditorial que nous avons édité en cette cinquième édition de la conférence. Dans son paragraphe 2, nous disions que l'homme, après avoir dans le siècle précédent ridiculisé le religieux, commence à comprendre qu'il faut qu'il change de repère et qu'il se mette désormais en quête de spiritualité et de sens. Car l'absence ou l'ignorance palpable de spiritualité dans nos nations nous fait entrevoir aujourd'hui le grand danger de déchéance de toute l'humanité dans un avenir immédiat. Donc, si c'est maintenant à tino tomber. En l'édition de 2000, nous attirions l'attention de l'Église sur la mission qui est la sienne sur la terre. L'Église, la lumière du monde. Le sel de la terre. Et en montrant comment tous les systèmes mondiaux établis par l'homme naturel ont lamentablement échoué. L'homme se rend compte aujourd'hui que plus il crie paix, paix, plus elle
elle s'éloigne pour laisser place à des attentats par-ci et par-là, des génocides, des guerres, la misère et la ruine. Mais what do me more of better with doing when one was on double of FIFA, FIFA, when one of FIFA and Bauer, elevado Liga of FIFA, but no jodo lady are one. And I've a messudo of Boa Bouton. And oh, yeah. La résolution d'un problème en provoque un plus grave. Et what you te bonamina nasi no tagbadeo, and on a voir un tagbadaho de voix. Et l'homme finit par se retrouver dans un cercle infernal de destruction. À la quatrième édition de cette conférence, nous nous sommes posé quelques questions. Pourquoi tous ces systèmes ont échoué? Dieu s'intéresse-t-il à la gestion de notre vie, de nos nations? L'homme a-t-il réellement impliqué Dieu dans la gestion de l'homme? Je suis convaincu pour ma part que l'heure a sonné pour que l'homme se réconcilie avec son Créateur, avec son Dieu. Car malgré tous ces progrès scientifiques, économiques, techniques, il doit reconnaître qu'il ne maîtrise plus rien aujourd'hui. Ce monde est inconscient. Bon, à quoi les coups? Nous, Dieu est Dieu. Tout genou. Un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, fléchira devant le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est clair. D'ici une décennie, notre monde sera peuplé, dirigé et gouverné par ceux qui le servent fidèlement dans l'humilité et dans l'amour. Ceux qui ont l'amour du prochain, non l'amour de soi, égoïste, prêt à tout pour satisfaire ses intérêts. Au détriment des autres. Et bien aimé dans le Seigneur, que vivons-nous aujourd'hui? L'Église joue-t-elle effectivement son rôle de lumière et de sel du monde? Les gouvernants dans le monde ont-ils impliqué Dieu dans la gestion de nos nations? Bien-aimés, nous sommes confrontés à une situation qui, je suis convaincu, changera les donnes après que Dieu ait cessé d'agir dans cette situation que nous vivons. Dans l'idolâtrie, nous sommes allés très loin. Et aujourd'hui, à cause du pétrole, à cause de l'or, à cause du diamant, à cause du phosphate, à cause des richesses minières, on est prêt à tuer. On est prêt à tout. Mon frère,
Tout ce qui se fait sur la terre doit avoir un seul objectif. L'homme. Il n'y a rien qui puisse se faire sur cette terre sans que l'homme ne soit au finish ou l'objectif final. Et quand nous mettons de côté l'homme et nous poursuivons l'intérêt matériel, financier, immédiat, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Et dans l'idolâtrie, nous sommes allés très loin. Dieu ne compte plus. Vous voyez ces grandes nations. Ils s'appellent G20. Et après, ils deviennent G7 ou 8. Ils ne craignent plus Dieu. C'est les dirigeants de cette nation qui sont les puissants du monde. C'est eux qui décident de ce que le monde va être. La matière est devenu leur Dieu. Le matériel est devenu leur Dieu. Et vous pensez que Dieu sur son trône ne voit pas tout ça? L'immoralité atteint son comble. Ce que Dieu a établi, on dit il n'est pas assez intelligent. Et les homosexuels, ils sont allés plus loin. Et tout ça contre la volonté de Dieu. L'homme va avec l'homme. La femme avec la femme. Et ils veulent l'imposer à tout le monde. Maintenant, ça ne les suffit pas. Et ils doivent aller avec les animaux. Coucher avec les animaux. Et vous voyez, l'animal est devenu le compagnon ou fidèle de l'homme. Et toute sa richesse qu'il a acquis pendant sa vie, au lieu de léguer ça à des hommes qui n'ont pas à manger un seul repas par jour, non, c'est à son chien, à son animal de compagnie qu'il lègue tout son héritage. Et vous croyez que Dieu ne voit pas tout ça? Et qu'il est insensible à tout ça? Je ne sais pas pourquoi le coronavirus COVID-19 est arrivé. Mais je sais une chose. Après COVID-19, l'homme va changer de mentalité. Mon frère, ma soeur, ces puissants-là, voilà un petit insecte invisible à l'œil nu qui les a tous terrassés. Et vous voyez la situation du monde aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont acquis comme richesse, où c'est? Cela les a-t-il sauvés? Et bien aimé, vous voyez, le virus, pire encore, atteint ces grands-là. Nous ne sommes pas puissants. Nous ne sommes pas forts.
Nous ne sommes pas riches. Mais nous voyons que Dieu n'est pas aveugle. Sa parole nous dit qu'il ne prend jamais l'innocent pour coupable. Ni le coupable pour innocent. Mais à chacun, il donne sa rémunération selon ce qu'il a fait. Et ceux qui détruisent le monde, c'est eux qui doivent payer. Ceux qui détruisent ce que Dieu a créé, c'est eux qui doivent être les premiers à payer. Aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique qui cause des problèmes à toute la création. Mais puisqu'ils sont puissants, puisqu'ils sont forts, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais la création appartient à Dieu. Et c'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Je crois que cette parole, que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ce 21e siècle sera spirituel. Sinon, il n'existera pas. Tout est puissant. Doivent entrer en eux-mêmes et se poser des questions. Où est leur puissance aujourd'hui? Où est leur force aujourd'hui? Sur tous les plans. Bien aimé, j'ai regardé des images de ces pays puissants qui peuvent prendre leurs armes et aller détruire un pays moins puissant. Mais bien aimé, regarde un seul petit microbe a arrêté les guerres là où toutes les négociations ont échoué. Tout est arrêté. Tout. Et les hommes ne sont même plus capables de circuler dans la rue. Et soit que au bonheur distinguons tout et on les met à l'élève. D'un petit microbe. Donc, mon Seigneur m'a dit, lorsque le moment viendra, que personne ne vous dise, il est ici, il est là. Non. Tous, en même temps, nous le verrons. Mais non moins. Le coronavirus nous donne une image de ce que ça va être le retour de notre Dieu. Vous ne pouvez pas capter une radio aujourd'hui dans le monde qui ne parle de ce petit microbe. C'est la première des choses dont on parle. Des milliers de morts. Et le Seigneur Tout-Puissant n'est-il pas capable de détruire le monde en quelques fractions de secondes? Vous, Église, qui craignez Dieu, vous devez comprendre que Dieu nous parle. Quelle est notre motivation réelle dans le ministère? Jouons-nous notre rôle? Ou bien nous avons une autre motivation? Répentons-nous rapidement et revenons à notre Dieu pour jouer pleinement notre rôle. Que nos intérêts
ne passe pas devant. Ni ma djenouko. Parce que nous aurons à rendre compte. Do mina djo akonta dada. Parce que le jour du Seigneur viendra. Do azan kono tona wa. Comme un voleur. Bia djotoron. Et nous surprendra. Bona fiami. Toi, Église. Ouais, agun. Quelle est ta réelle motivation? Que le Seigneur nous aide. Vous qui nous avez suivis. Oui, hein? Les lieux de culte sont fermés aujourd'hui au Bénin. Mais cela ne vous empêche pas d'adorer Dieu. Parce que ce genre de moment arrive. Et le Seigneur nous a avertis. Cela nous empêchera-t-il d'être adorateurs de Dieu? L'Église du Seigneur est une, universelle, indestructible. Personne ne peut détruire l'Église. Que le Seigneur nous éclaire. Qu'il utilise ces moments pour nous éclairer. Et que toute la gloire soit à lui. Moi, je suis convaincu d'une chose. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et union de prière. À la prochaine. Hey, voyez-vous.